Quand et comment exactement sont arrivés les premiers hommes sur le continent américain? Les scientifiques sont en mesure d'en apprendre davantage grâce à l'analyse d'un fossile de nourrisson retrouvé en Alaska. Les restes de ce bébé-fille ont été découverts en 2013 sur ce site archéologique, mais ce n'est que cette semaine qu'une étude a été publiée dans Nature, après que des scientifiques ont réussi à séquencer le génome complet du bébé, baptisé la petite fille du lever du soleil par la communauté indigène. Les chercheurs issus de Copenhague, de Cambridge et d'Alaska se sont aperçus que son patrimoine génétique appartenait à un groupe jusqu'alors inconnu qu'ils ont appelé anciens béringiens. D'autres analyses ont permis d'apporter la première preuve génétique directe que les ancêtres des Amérindiens provenaient tous d'une même population arrivée lors d'un événement migratoire unique pendant l'âge glaciaire. Une vague migratoire qui serait vieille de plus de 20 000 ans.